Good evening, ladies and gentlemen. If I can ask you to please take your seats. I'm very pleased to be able to welcome you to this roundtable on the politics of drugs, national challenges, and international frameworks. It's a real pleasure to be able to welcome you all to the Graduate Institute for this. Today we have a very distinguished panel, and the panelists will be introduced separately. I certainly look forward to a really fascinating discussion. At the Graduate Institute, my colleagues tell me we have had actually dissertations all the way to the beginning of the Institute on the topic of drug policy. I'm not sure what those dissertations were about. Maybe they were about the opium wars, but who knows? That piece of information actually prompted me to say maybe I can find something in our institutional depository as to what students are writing about this topic and this is what I found. So there is a lot of dissertations, several, let me put it this way, that are focused on foreign policy and security aspects of drug policy, and in particular the policy of the United States towards Latin America, the way in which insecurities generated by the drug trade spill across South American borders. But there was also two interesting recent dissertations. Not that those others are not interesting, but having lived in Miami for a long time, it just sounded very, very familiar. There was two other interesting dissertations, one focusing on the relationship between organized crime and state building. And apparently the topic that was investigated here as to is really the history of state formation in Europe has very often been described as a project that involved really organized crime. And so is this what's maybe happening in Mexico today? Now we are witnessing a unique form of state building and state construction and deconstruction, potentially, which I thought interesting. And then there was another interesting dissertation from a Tajik student, which focuses on the relationship between addiction and HIV/AIDS in Central Asia, creatively entitled Highs and Lows Along the Silk Road. I kind of like that. So our students think that drug policy is about foreign policy, about security policy, about state building, and importantly also about people's health. I am eager to learn what our distinguished guests have to say on the topic. Do the students have it right? Are they missing something important? So I'll sit down, I'll invite Mr. Rogel up to moderate us through this evening. Thank you very much. Bonsoir à toutes et à tous, chers invités, Madame Prugel, je me joins à l'équipe de l'Institut pour vous souhaiter cette fois-ci au nom du Forhaus la bienvenue à cette soirée sur la politique des drogues. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Forhaus, on est un think tank de politique étrangère. En français, ça sonne moins bien qu'en allemand, Forum Außenpolitik. On fait donc des travaux censés être innovants. On cherche à mettre en place des nouvelles idées de politique étrangère. Et c'était donc pour nous un grand plaisir d'être ce soir de la partie pour cette discussion qui touche à un sujet qui met, ou qui pourrait potentiellement, on le verra dans la discussion, mettre en jeu la politique étrangère suisse. La Suisse aurait peut-être quelque chose à dire sur cette question, aurait peut-être quelque chose à apporter, et on va pouvoir, j'espère, en discuter ce soir. Madame Prugel l'a déjà dit, on a deux invités de très grande qualité, au parcours aussi riche que diversifié, pour parler de cela avec nous. Je vais les présenter rapidement, et puis ensuite, chacun aura un quart d'heure ici au podium pour présenter quelques éléments de réflexion, sa réflexion sur cette question, et puis nous aurons la partie discussion avec vous ensuite. Pour les questions du public, j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil à la liste des gens qui sont inscrits pour cette soirée. Et la qualité, la dispute à la quantité, si j'ose la formule. Et donc je me réjouis beaucoup d'avoir la discussion avec le public. Et on a prévu beaucoup de temps pour cette partie un peu plus interactive. À tout seigneur, tout honneur, Madame Dreyfus, je commence avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas, au fond, toujours l'occasion de devenir la première présidente de la Confédération. Et là, vous avez pris cette place dans l'histoire de manière assez solide.
ça restera donc vous. Vous avez été journaliste, vous avez été assistante ici à l'Université de Genève en sciences économiques. Vous avez ensuite travaillé dans les milieux syndicaux à l'USS comme secrétaire général. Et finalement, vous avez été élu en 1993 au Conseil fédéral. Vous avez occupé le poste de chef du département de l'Intérieur avant de devenir présidente justement en 1999. On aime dire de vous, je crois que vous avez une retraite passablement active, que ce soit à Genève, à Berne, en Suisse alémanique, ou justement sur les questions internationales. Et on se réjouit beaucoup de vous entendre ce soir sur cette question de la politique des drogues. Avec vous pour en parler, Monsieur Kasatchkin, Michel, début de sa carrière comme médecin, spécialiste d'immunologie en France, l'université, j'ai noté le nom, philosophe, bien sûr, René Descartes à Paris. Et j'ai parcouru un peu votre parcours, riche également en activités internationales, du médecin au diplomate, si j'ose la formule un peu facile. Et je crois que maintenant, vous êtes plus diplomate que médecin. Vous nous confirmerez après, mais on aura l'occasion d'en discuter. Votre cheval de bataille au long de votre carrière, ça a été la lutte, la prévention, l'engagement autour de la question du sida. Et vous avez été actif au sein du Global Fund sur cette question, fund que vous avez dirigé de 2007 à 2012, avant de devenir, depuis l'été passé, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU sur la question prévention sida pour Eastern Europe and Central Asia. Et comme Madame Dreyfus, vous êtes membre de la commission pour ces questions de drogue internationale. On se réjouit aussi d'avoir la possibilité de discuter avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je me fais un plaisir de céder la place à Madame Dreyfus pour le premier talk. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Non, moi je n'en ai pas. Est-ce qu'on peut le fermer ou est-ce que c'est dangereux? Non, ça ne va pas exploser. Comme ça, c'est bien. Et nous nous sommes répartis le travail avec Michel Kasatchkin. Je vais présenter d'abord, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je distingue bien sûr dans la salle quelques spécialistes de ces questions, mais peut-être que tous ne le sont pas, le cadre international, l'histoire très brièvement des conventions internationales qui régissent la politique drogue sur le plan international et la façon dont la Suisse a ratifié et s'est, je dirais, presque un peu arrangé avec les engagements qu'elle a pris sur le plan international à travers ces conventions. C'est une longue histoire, mais je la ferai relativement brève. C'est une histoire qui commence au tournant du 19e, 20e siècle par des batailles, je dirais, pour des marchés au premier chef asiatique. Les acteurs à ce moment-là sont les Britanniques, mais les Britanniques en tant que puissance coloniale en Inde, grand producteur d'opium, la Chine qui est à la fois un grand marché de l'opium, j'entends au sens de consommateur d'opium, qui s'efforce d'ailleurs de maîtriser ce problème, mais qui se verra forcé, là aussi par les puissances coloniales, d'ouvrir les frontières à l'importation de l'opium produite en Inde, et finalement les Philippines, qui, à partir du moment où les États-Unis d'Amérique exercent leur influence et leur pouvoir sur cet immense pays, producteur lui aussi d'opium, se voit au fond confronté à une responsabilité directe dans la zone en ce qui concerne ce qui est à ce moment-là le stupéfiant numéro un, c'est-à-dire l'opium tel qu'il est produit dans cette région et consommé. À ce moment-là, surtout dans cette région, consommée par ailleurs d'une façon qui ne suscite aucune réaction sociale vraiment très aiguë, par une population plutôt de haut niveau dans les pays européens et aux États-Unis d'Amérique. J'ai lu quelque part que dans une description de l'opiumman type, on trouve une femme blanche d'une quarantaine d'années qui s'ennuie à la maison et qui
consomme cette substance qui ne paraît pas particulièrement dangereuse. Nous savons par ailleurs consommation dans les milieux d'artistes et surtout dans les milieux médicaux. Mais ça n'inquiète pas, en fait. Ce n'est pas un phénomène considéré comme socialement pour l'ensemble de la société ou du pays. Il faudra d'ailleurs, et c'est aussi assez, enfin c'est des choses qui me paraissent importantes, même si elles paraissent peut-être anecdotiques, il faudra vraiment l'immigration massive de la Chine, des travailleurs chinois aux États-Unis, pour que tout d'un coup l'image de l'opiumman change. Ça n'est plus la femme blanche de 40 ans qui s'ennuie à la maison, c'est devenu l'ouvrier misérable qui essaye d'oublier la dureté des travaux qu'il accomplit, construction de chemin de fer, etc. C'est devenu aussi la consommation des organisations criminelles chinoises. Et à ce moment-là, tout d'un coup, on considère l'opium en particulier comme un danger social contre lequel il faut absolument se prévenir. Et c'est à ce moment-là, aux États-Unis, que l'on change la vision de ce qu'est la drogue et qu'on en prend conscience du caractère global, disons, de ce marché. Le but à ce moment-là est d'un côté de contrôler l'opium, de contrôler sa production, de contrôler sa consommation, mais aussi, et cela joue un rôle dans toute l'histoire du contrôle, je dirais, des stupéfiants, de maîtriser pour l'industrie pharmaceutique les substances qui, d'un côté, sont des substances qui connaissent des utilisations médicales et de l'autre côté, des consommations considérées de plus en plus comme illégales. Donc effectivement, cette histoire, elle commence il y a 100 ans par la première convention sur l'opium en 1912, et depuis 12 jusqu'en 1953, on verra successivement se créer toute une série de conventions qui essaient de contrôler de plus en plus tout ce qui peut être assimilé, comme l'était l'opium au départ, à des substances dangereuses pour la consommation et à des substances qui alimentent un marché clandestin de plus en plus lucratif. 9 accords internationaux, donc, de 1912 à 1953. À ce moment-là, après, nous sommes déjà dans l'après-guerre et le besoin se fait sentir, toujours sous l'influence d'ailleurs des États-Unis d'Amérique, principalement, de rassembler ces différentes conventions. Et c'est ainsi qu'en 1961, sous l'égide de l'ONU, la convention unique sur les stupéfiants est acceptée par un certain nombre de pays et on verra tout un processus de ratification qui en fera peu à peu une des conventions qui connaissent le plus de pays parties à celle-ci. Je dirais peut-être que cette première réaction en 61 des États qui vont progressivement ratifier la convention est, je dirais, relativement sobre et relativement cool. Le problème de la toxicomanie ne leur apparaît pas comme quelque chose de particulièrement important. C'est une convention qui est au fond proposée à ratification par des pays qui ont des problèmes, au premier lieu les États-Unis, et donc pourquoi ne pas les ratifier? Les obligations d'ailleurs n'étant à ce moment-là pas aussi serrées qu'elles vont le devenir progressivement. Donc je viendrai, la Suisse est un exemple de ces réactions, j'y viendrai tout à l'heure. En 10 ans après, on serre un peu la vis, si je peux dire, et on élargit la liste des substances. C'est le but principal de la Convention sur les substances psychotropes qui, elle, effectivement, 10 ans après, 1971, est à ce moment-là adoptée, toujours sous la bénédiction de l'Organisation des Nations Unies. Donc, d'un côté, elle élargit la liste, d'un autre côté, elle s'attaque principalement à la production et au trafic, mais c'est quand même une convention qui commence à mettre, je dirais, en évidence les questions de santé publique qui sont liées à la consommation de la drogue. On sent un souci croissant en ce qui concerne la consommation. Nous sommes donc en 71, les drogues de synthèse commencent à devenir des, à la fois des consommations
relativement large, et souvent d'ailleurs dans des groupes qui sont considérés comme difficiles à contrôler, plus ou moins rebelles. Je pense à la montée, bien sûr, du LSD, pour ne prendre qu'un exemple. En 72 également, donc un an plus tard, on ajoute, je dirais, on ajoute une couche à la Convention unique de 61 avec le protocole additionnel qui lui permet alors, et là on est nouveau en plein dans la destruction, dans la préoccupation de la production et du contrôle de la production de stupéfiants et de narcotiques, en ce sens que celle-ci prévoit la destruction des cultures, la lutte directe contre la paysannerie qui s'adonne à ces cultures. Et puis, pour terminer la liste des conventions qui nous régissent actuellement, 1988, alors, la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, reprend complètement, la direction répressive de la politique internationale en matière de drogue, dans des domaines qui avaient été négligés dans les conventions précédentes, dans la mesure où aujourd'hui l'objectif numéro un est la lutte contre le crime organisé, contre les cartels, si vous voulez, et que de ce fait, on introduit par la convention de 1988 des règles sur le blanchiment de l'argent, des règles sur la production des précurseurs aux substances qui sont interdites, c'est-à-dire celles qui permettent effectivement de les produire. On introduit à ce moment-là, et à ce moment-là seulement de façon tout à fait claire, l'idée de la criminalisation de la consommation. Donc on voit une espèce de montée en puissance d'une politique de plus en plus répressive, alors que la convention basique est une convention qui cherche encore un certain équilibre entre une approche de santé publique et une approche de lutte contre le crime organisé, mais aussi de lutte contre la drogue. On parle souvent de la guerre contre la drogue. Alors peut-être juste un mot d'explication. Ce qu'on appelle la guerre contre la drogue, ce ne sont pas ces conventions. Je crois que ce serait abusif de les enfermer dans un carcan conceptuel aussi étroit. La guerre contre la drogue est clairement déclarée par un discours de Richard Nixon il y a 41 ans et vise en particulier non seulement la politique intérieure américaine, c'est-à-dire la lutte contre les drogues et, je dirais, les drogués, mais également et surtout la production de drogue, en particulier cette fois-ci en Amérique latine, et c'est le début des actions, des soutiens des États-Unis à des actions de plus en plus liées aux militaires, plus qu'à des actions de police pour éradiquer les plantations et faire la guerre au trafic. Donc historiquement, vous le voyez, c'est une longue histoire. C'est la première amorce au fond d'un droit criminel international. Mais il est clair que ce droit criminel international ne repose sur l'application que les pays en font. Il n'y a donc pas d'application directe des conventions. Elles sont soumises à la loi nationale qui doit permettre de la mettre en œuvre. Mais elle établit les délits, les crimes qui sont définis dans les conventions. Des organes de contrôle ont été mis en place pour permettre aux parties aux conventions, et encore une fois, elles recouvrent, je crois, l'ensemble des pays. Je ne connais pas d'exception actuellement aux parties à ces conventions. Des organes de contrôle et de coopération. La première, c'est, l'organe des Nations Unies contre le crime et la drogue. C'est une organisation dont le siège est à Vienne, et sa tâche est au fond de soutenir les pays dans l'application des conventions. En d'autres termes, de servir de coopération technique, de soutenir leurs efforts de législation, d'aider à la mise en place de leur police, etc. C'est donc un bureau technique, si vous voulez. Le deuxième organe, c'est la Commission des stupéfiants,
CND, d'après le sigle anglais, qui, elle, se réunit toutes les années, également à Vienne, et qui représente les partis à la Convention. Donc, toute décision sur des modifications qui pourraient être apportées aux conventions doivent être adoptées par le CND. C'est l'organe, encore une fois, qui devrait permettre une évolution des conventions. On verra qu'en fait, évolution est un mot qui apparaît rarement et depuis peu seulement peut-être dans cette instance. Ça ne regroupe pas toutes les parties, il y a un tournus, mais c'est vraiment le Parlement, si l'on veut, qui gère et qui est amené à agir sur les conventions. Et puis, il y a un organe indépendant, ou dit indépendant, qui en anglais s'appelle International Narcotic Control Board, en d'autres termes, le Comité international de contrôle des narcotiques, qui, lui, devrait étudier la situation telle qu'elle est dans le monde en ce qui concerne l'application des conventions. C'est donc l'organe qui va venir contrôler dans les différents pays, qui va faire un rapport annuel, qui va dire au fond qui sont les bons élèves et les mauvais élèves dans l'application des conventions internationales. Alors, très rapidement, la position de la Suisse. Comme je l'ai dit, la convention de 61 intéressait au fond relativement peu les pays autres que les États-Unis et les pays producteurs directement à l'époque, principalement quand même de substances telles que la cocaïne et les opiacés. La Suisse n'a pas eu beaucoup de peine à ratifier cette convention. Elle l'a d'ailleurs fait en 68. Les Suisses dans la salle savent que de 61 à 68, c'est un rythme tout à fait normal pour notre pays. Et il l'a ratifié, je dirais, principalement parce que l'industrie pharmaceutique considérait que sans cette ratification, il y avait un risque à être privé de matières premières intéressantes et nécessaires pour sa production. Et donc, il était judicieux que la Suisse, qui n'avait pas un vrai problème de toxicomanie, ratifiât cette convention. Les conventions de 71-72, donc le protocole additionnel et la nouvelle convention, a déjà posé un peu plus de problèmes à la Suisse. D'abord parce que, au fond, à partir du moment, avec notre bonne lenteur, où nous avons commencé à nous poser la question de savoir si nous voulions la ratifier ou non, la question avait pris une ampleur bien plus grande en Suisse, et en particulier, on avait découvert le problème d'une toxicomanie relativement répandue, et de ce fait, la Suisse s'est trouvée confrontée à ce moment-là déjà à un débat interne qui commençait et qui mettait en question, au fond, l'idée même d'une répression organisée au niveau international, non pas du crime organisé, mais de substances particulières et en particulier de ceux qui en font un usage. Donc, celles de 71-72 ont pas mal traîné. Et finalement, et j'y trouve une certaine ironie, c'est moi qui ai proposé finalement au Parlement de la ratifier en 96, alors que nous avions déjà mis en place à ce moment-là les éléments d'une politique qui allait être, je dirais, souvent critiquée par les organes internationaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Celle de 88... Donc la plus répressive et la plus, en particulier encore une fois, celle qui introduisait vraiment une obligation en principe de punir la consommation de stupéfiants, celle-ci, nous l'avons retenue longtemps pour savoir quelle allait être l'évolution de la politique suisse en fait. Et donc nous ne l'avons ratifiée qu'en 2005 avec une réserve qui nous permet de ne pas punir
la consommation et en particulier d'innover dans le domaine de la décriminalisation ou de la non-criminalisation de la consommation. Alors, j'arrive au bout de la présentation et nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure plus en détail, mais j'aimerais tout simplement ajouter quels sont les problèmes que nous avons eus avec les conventions à partir du moment où en Suisse nous avons décidé d'innover sous le choc d'ailleurs de l'épidémie de sida dont Michel Kazatchkine parlera certainement en lien avec la politique drogue. Nous avons commencé d'abord par imaginer des possibilités de substitution de la drogue pour des personnes qui ne pouvaient pas répondre à des thérapies qui visaient à l'abstinence, qui avaient déjà échoué dans des thérapies de ce type. Nous avons donc, alors que la Suisse avait déjà une grande expérience avec la méthadone, nous avons décidé d'abaisser le seuil d'accès à la méthadone, donc d'élargir le nombre de personnes qui pouvaient en bénéficier. Et nous avons décidé à ce moment-là également d'introduire la prescription d'héroïne médicale dans le cadre de programmes, mais donnée uniquement dans des polycliniques spécialisées, de façon à entrer encore en contact et permettre d'entrer en thérapie à des personnes qui avaient également échoué dans des traitements de substitution plus traditionnels. Ceci a été, nous l'avons expérimenté pendant des années, je pourrais y revenir, ceci a été considéré par les organes comme étant en harmonie avec les conventions, puisqu'il s'agissait d'une application médicale d'une substance, elle est prévue, elle est possible, mais en même temps, nous étions malgré tout critiqués année après année pour ce faire, dans la mesure où on considérait que c'était une mesure difficile à contrôler. Et en particulier, on nous a demandé de prendre toutes les garanties, et nous les avons toutes prises. Il n'y a jamais eu, paraît-il, un gramme d'héroïne médicale qui aboutit sur le marché noir. C'est des mesures extrêmement sévères qui sont imposées dans ce type de traitement. Mais, et je dois reconnaître qu'il y a un gramme de vérité là-dedans, il est clair que la société suisse est une société bien contrôlée, avec des médecins bien payés, un système où les risques, disons, de corruption, les risques d'un système dont on perdrait le contrôle sont réduits. Mais disons, sur ce plan-là, on nous a surtout demandé de ne pas en parler, de ne pas faire la propagande, de rester discret. Mais il était clair que ceci était en harmonie avec les conventions également aux yeux des organes chargés de le contrôler. Le deuxième problème que nous avons décidé d'empoigner, c'est celui de ce qu'on appelle la réduction des risques, c'est-à-dire la distribution de seringues propres, l'accompagnement vraiment dans la rue, dans la zone, des personnes les plus vulnérables, les plus exposées aux risques de santé, encore une fois, à l'époque surtout le sida, mais également l'hépatite, mais également les overdoses. Et sur ce plan-là, je dirais, nous avons également fait œuvre, je dirais, largement de pionniers, puisque nous l'avons étendu ensuite jusqu'aux prisons, distribution de seringues propres dans les prisons, etc. Mais là aussi, je dirais, pas de contradiction majeure avec la Convention. Les problèmes étaient plutôt de type interne. Est-ce que la police qui voyait quelqu'un se promener avec une seringue n'allait pas l'arrêter sous prétexte qu'il avait là la preuve de sa consommation délictueuse d'un produit interdit? Mais sur ce plan-là, je dirais que les effets positif en matière d'épidémie, de maîtrise de l'épidémie, était tellement évident que non seulement nous avons été félicités de le faire par l'OMS, mais que bien sûr ces mesures se sont étendues rapidement à nombre de pays d'Europe occidentale. La troisième chose que nous avons décidé de faire était d'offrir également la possibilité pour des mesures de prévention des risques aux personnes de la zone, de la rue, les personnes encore une fois les plus vulnérables, de consommer dans des lieux
surveiller des drogues qu'ils auraient achetées sur le marché noir, mais de les consommer dans des lieux qui permettaient leur survie, qui permettaient aussi un premier contact thérapeutique, social, etc. Vous savez que c'est le cas, par exemple, au Quai Neuf, ici à Genève. Certaines villes ont introduit ce qu'on appelle des locaux d'injection. Et là, alors là, la réaction de Vienne ne s'est pas fait attendre. Ceci a été considéré par les organes de contrôle comme étant en contradiction avec la Convention, puisqu'on autorisait une consommation illégale dans un endroit toléré par les autorités. Nos juristes ont au contraire considéré que dans la mesure où l'objectif numéro un était un objectif de santé publique, cette mesure était également une mesure qui était en harmonie avec les conventions. Encore une fois, il s'agit là, puisque ça n'est pas applicable directement, d'une question d'interprétation et nous avons tenu bon en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas pu aller beaucoup plus loin dans ce domaine alors que nous envisagions un système de tolérance pour la production, le commerce et la consommation de cannabis. Nous n'avons pas pu aller plus loin pour des raisons de politique intérieure et non pas de politique extérieure. Là aussi, nos juristes en particulier ont considéré que sous certaines conditions, les mesures que nous proposions étaient en harmonie avec les conventions. Donc si je dis cela et je termine par là, c'est tout simplement pour dire d'un côté, nous avons des conventions qui forment un cadre assez rigide, en tout cas idéologiquement très fort et peu apte à la réforme et au changement. Mais si l'on regarde en détail, comme nous l'avons fait, les dispositions même de ces conventions et qu'on assume les responsabilités nationales, on voit émerger toute une série de flexibilités qui permettent aux pays, en fonction des besoins concrets auxquels ils sont confrontés, de choisir, au fond, le meilleur paquet de mesures de prévention, de traitement, de réduction des risques et de répression de ce qui réellement perturbe la vie sociale et viole des lois que ce pays s'est donné. Voilà comme introduction le cadre international dans lequel nous bougeons. Merci. Bonsoir. J'aimerais aussi vous remercier, madame, de votre propos introductif, de l'invitation de l'Institut, remercier Forhaus et dire que je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. D'abord aux côtés de Ruth Dreyfus, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et de très amicale admiration. Et puis parce que c'est un sujet absolument passionnant. C'est un sujet au carrefour de l'économique, du social, du médical, de l'international, des droits de l'homme. Et puis c'est finalement pour moi une grande question de santé publique et une question qui touche, Ruth Dreyfus a parlé d'encadrement juridique, de surveillance, de classification des gens, bref, qui touche à l'intervention des gouvernements ou de la puissance publique et des acteurs sociaux sur la vie des gens. Ce que Michel Foucault appelait le gouvernement des corps. Et que dans le jargon contemporain socio-anthropologique, on appelle les transformations contemporaines des biopolitiques. C'est vraiment un sujet absolument fascinant. Alors, j'aimerais rapidement aborder quatre points. D'abord pour dire que j'aimerais commencer par dire que ce sujet des interactions entre la santé publique et le fonctionnement des gouvernements n'est pas nouveau. Ruth a commencé ton exposé vers la fin du 19e. Vous voyez, je remonte à 1829 sur cette citation des Annales d'hygiène publique et de médecine légale qui disent que l'hygiène publique est l'art de conserver la santé aux hommes réunis en société. Je crois que c'est très important. La santé des hommes réunis en société
est appelé à recevoir un grand développement et à fournir de nombreuses applications au perfectionnement de nos institutions. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire quelques mots de la situation actuelle au plan international, à la lumière du bilan que nous faisons tous maintenant de 50 ans de convention et de d'un peu moins, mais disons de 30-35 ans de lignes répressives dans les conventions, comme Haut-Dreyfus l'a indiqué. Alors, si vous pensez vraiment que l'objet des politiques de santé publique, c'est de faire que les gens se sentent bien, en tant qu'individu et en tant que corps social, que l'objet d'une politique publique, c'est d'améliorer la santé, c'est de réduire les risques, c'est de réduire la criminalité, de faire que les communautés vivent harmonieusement, alors le constat est clair, c'est un échec. Les politiques qui ont été menées sont un échec. C'est un échec à l'échelle internationale. Un échec d'ailleurs qu'on ne sait pas bien mesurer, parce que la façon dont on mesure actuellement l'efficacité des politiques en matière de drogue, nous utilisons des matrices ou des indicateurs qui n'ont rien à voir avec les objectifs d'une politique publique. Puisque vous entendez tous les jours à la radio, on a saisi tant de kilos ou tant de tonnes, on a arrêté tant de gens, mais en rien cela ne reflète le bien-être de la population qui a pu être atteint par une politique. Alors, le résultat, c'est qu'il y a actuellement environ 250 millions de personnes qui consomment des drogues illicites dans le monde, 200 000 morts au moins par an. Nous étions avec Barbara, qui est assise ici, il y a une semaine, dans un entretien avec l'ambassadeur russe à Genève, qui nous a dit qu'il y avait dans son pays 40 000 morts par an liés à la drogue, n'est-ce pas ? Ce n'est pas dans des chiffres forts. Échec parce que le marché, en fait, a cru largement. Le marché des opiacés, la consommation des opiacés a cru de 35% dans les 10 dernières années, celle de la cocaïne de 30%. Et puis maintenant, en particulier en Asie et dans les pays de l'Est, chaque jour, il y a plusieurs nouvelles drogues synthétiques ou combinaisons de drogues synthétiques qui arrivent sur le marché. L'offre s'est améliorée. Les prix ont diminué. Le prix de l'héroïne a été divisé par 5 pratiquement en 10 ans. Moi, je me souviens du temps où c'était 400 euros le gramme à la sortie du métro Plaisance à Paris. C'est maintenant 80. La qualité, en même temps que les prix ont diminué, la qualité a augmenté. Donc vous voyez, tout est là pour améliorer l'offre. La pureté de l'héroïne qui circule s'est considérablement améliorée sur les marchés. Et puis surtout, si on fait le bilan, tout cela a été au prix d'un impact négatif absolument considérable sur la santé, sur la violence dans la société, sur le système judiciaire et sur les droits de l'homme. Sur la santé d'abord, l'épidémie de sida. On estime dans le monde qu'il y a environ 16 millions de personnes qui injectent des drogues. Sur ces 16 millions de personnes, une personne sur 5 au moins est infectée par le virus du sida. Et plus de 2 personnes sur 3, 60%, enfin soit près de 2 personnes sur 3, 60% sont infectées par le virus de l'hépatite C. Pour ce qui est du sida, si on en dehors du continent africain, où on commence à découvrir qu'il y a aussi maintenant une progression du sida liée à l'usage de drogue, parce que l'Afrique devient une plaque tournante du trafic, et dès qu'il y a trafic, il y a consommation. En dehors de l'Afrique, la transmission du fait liée à l'injection de drogue représente une infection sur 3 dans le monde. La prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de personnes infectées par le virus du sida varie quelque part entre 15% aux États-Unis et 35 à 40% en Europe de l'Est et dans certaines régions d'Asie. Et donc, paradoxalement, alors que vous le savez tous, on a dans les 10 dernières années, les 15 dernières années, fait des progrès considérables dans la lutte contre le sida, que la mortalité de cette maladie a diminué de 25% dans les 5 dernières années, que le nombre de nouveaux cas a diminué de 25% dans les 5 dernières années. C'est vrai partout dans le monde, sauf dans les pays où l'épidémie est
avant tout survient avant tout du fait de la transmission par les drogues injectables ou par le partage de seringues, et dans les pays où les politiques de drogue sont les plus répressives. Donc sur 7 des pays que l'ONU-SIDA a recensés comme étant des pays où, dans la période où le monde voyait 25% d'amélioration, 7 pays ont vu 25% d'aggravation de la situation en matière de sida. Sur 7 de ces pays, 5 sont dans la région Europe de l'Est et Asie centrale, en particulier l'Ukraine et la Fédération de Russie, qui représentent à elles seules 95% de l'épidémie dans cette région. L'hépatite C, c'est une maladie dont personne n'entend parler. Et c'est pourtant une épidémie grave, une épidémie silencieuse, que l'OMS a qualifiée d'une bombe virale à venir, car maintenant les gens commencent à mourir de cette maladie. 160 millions de personnes infectées dans le monde, et toutes les infections des 10 dernières années sont des infections qui surviennent elles aussi du fait du partage de seringues et sont liées à l'injection de drogue. Donc le sida, l'hépatite et puis la tuberculose. On n'y pense pas beaucoup, mais si vous êtes actuellement un habitant de la Fédération de Russie, vous avez le malheur d'être arrêté et incarcéré, votre risque de contracter la tuberculose est de 25 fois supérieur au risque que vous avez dans la population générale, qui est déjà significativement plus élevé que dans le reste du monde. Donc un impact sur la santé qui a vraiment amené à réfléchir et qui, Ruth Dreyfus l'a dit tout à l'heure, a amené la Suisse, pionnière dans ce domaine, à innover en matière de politique de drogue. La violence, vous le savez, cette violence est entretenue par les politiques répressives. Parce que dès que vous mettez quelqu'un d'un cartel en prison, ça veut dire que celui qui pourrait prendre sa place va gagner plus d'argent parce que c'est un métier plus à risque, en quelque sorte. Il y a un effet pervers de la répression sur le financement des cartels. Et vous savez qu'au Mexique, dans les 6 dernières années, il y a eu, on recense, plus de 50 000 morts liées à la violence induite par les politiques répressives et les cartels. Ce qui, de façon intéressante, a maintenant induit une lassitude des populations là-bas, à cet égard, et un changement assez radical de l'attitude politique au Mexique et dans les pays d'Asie, d'Amérique centrale. Je reviendrai là-dessus. Le système carcéral, le système judiciaire, l'incarcération. Ruth a dit que dès lors que les politiques devenaient plus répressives, on a commencé à emprisonner les gens pour consommation, emprisonnés pour possession aussi dans un certain nombre de pays, en croyant quelque part que le fait d'emprisonner les arrêtés, d'emprisonner les gens, ça allait les décourager. Ce qui évidemment était un a priori absurde. Mais dans la plupart des pays du monde, l'incarcération pour possession ou pour consommation participe d'une grande part à la croissance de la population carcérale. Cette croissance qui a été absolument gigantesque. Aux États-Unis d'Amérique, qui est l'un des pays qui emprisonne, si j'ose dire, le plus, hein, il y a actuellement 2,2 millions de personnes incarcérées au moment où nous parlons, c'est-à-dire 0,7% de la population, presque une personne sur 100. Et 50% des gens qui sont emprisonnés dans le système fédéral le sont pour ce qu'on appelle des minor drug offenses ou des drug offenses en général. 50% dans les prisons fédérales. Et là aussi, ça provoque une lassitude de la population. Et je pense que les votes récents qu'on a vus au Colorado, à Washington, et puis il y a quelque temps en Californie, sur la dépénalisation du cannabis, sont aussi là parce que les gens en ont assez de voir que les crédits publics vont aux prisons plutôt qu'à l'éducation pour des questions dont ils se commencent à se poser, de savoir si elles sont vraiment justifiées. Et la prison, et c'est ce qui est d'autant plus absurde, est elle-même un lieu où on apprend à utiliser la drogue si jamais on y est arrivé
sans l'avoir utilisé auparavant, parce que la drogue circule largement dans les prisons et qu'il n'y a pas de mesure de réduction des risques satisfaisante dans la plupart des pays du monde, dans les prisons des plupart des pays du monde. Et enfin, la violation des droits de l'homme. Et ça, je crois qu'il ne faut pas taire cela. Les politiques répressives en matière de drogue ont abouti à des pressions physiques et morales insupportables sur les gens, des conditions inhumaines d'incarcération, de privation des droits, de travaux forcés, de torture. Et je ne voudrais pas en ajouter trop, mais je vous passe quelques photos chocs. Vous voyez ici une image du Tadjikistan et qui, pour moi, est d'autant plus forte que on voit les menottes, le fusil, mais qu'on voit qu'on est en milieu hospitalier, n'est-ce pas ? Ou bien cette image en Ukraine, encore en milieu hospitalier, avec une infirmière ou un médecin habillé presque comme un scaphandrier, et puis le policier qui regarde derrière, par la porte. Ici, un camp dit de réhabilitation en Chine, qui est un camp de travaux forcés. L'ONU, il a fallu attendre seulement 2011, si je ne me trompe, pour que l'ONU condamne ces camps. Des gens enchaînés. Et sur une autre image que je ne vous montrerai pas, il y a même un slogan, chaining to cure. Enfin, c'est absolument abominable. Donc voilà le bilan, quelque part. Je ne m'étendrai pas plus. Alors, comme Ruth l'a dit aussi tout à l'heure, le débat sur faut-il se poser des questions sur ce que nous faisons, sur nos politiques publiques, au plan international, ce débat a très longtemps été fermé, en dehors de l'Europe, hein, puisque la Suisse a été pionnière, mais je crois que l'Europe, dans l'ensemble, a porté les valeurs que Ruth a discutées dans son intervention. Il y a des pays comme le Portugal qui ont décriminalisé et mis en place des systèmes d'accès aux soins et à la prévention très tôt. Il y a, vous connaissez tous ce qui se passe aux Pays-Bas, ça a été largement dans la publicité. En Grande-Bretagne, en Allemagne, il y a des salles d'injection. En France, ce qu'on appelle la réduction des risques est rentrée dans la loi de santé publique. C'est pour moi un événement aussi important. Mais en dehors de l'Europe, le débat était clos. Et ce qu'on voit depuis 2-3 ans, c'est que ce tabou, quelque part, est brisé et que le débat s'est ouvert. Il s'est ouvert en Amérique latine et en grande partie à cause de cette latitude. Et je mets ici une citation récente du récent président de la Colombie, Juan Manuel Santos, qui, après la réunion de Carthagène, qui est le sommet des chefs d'État des Amériques, donc où il y avait le président Obama et tous les présidents d'Amérique latine, ont dit « We have had the region leaders an invaluable discussion on the global drug problem. We agreed on the need to analyze the results of the current policy in the Americas and to explore new approaches. » Voyez, un discours tout à fait nouveau. Le débat s'ouvre aux États-Unis. Vous avez tous des votes sur la dépénalisation du cannabis. Il s'ouvre en Afrique. Nous travaillons au sein de la Commission globale sur les drogues avec maintenant une sous-commission que Kofi Annan a lancée en Afrique de l'Ouest. Et vous réalisez tous que ce qui se passe au Mali, les financements de ces groupes, tout ça, c'est lié. Il y a des circuits d'argent là qui sont largement liés à ce que ces pays deviennent des pays plaque tournante du trafic. Et le débat va maintenant s'ouvrir aux Nations Unies. Et pour la première fois depuis 1998, il y aura début 2016 une Assemblée générale des Nations Unies sur les politiques de drogue. Je crois que le fait que ce débat s'ouvre maintenant, ça a été rendu nécessaire évidemment par le constat de l'échec dont j'ai parlé, échec à réduire la taille du marché illégal, échec à réduire les profits du crime organisé, et puis échec majeur en termes de santé publique. Alors cela dit, si le débat est ouvert, et je crois qu'avec Ruth Dreyfus, nous pouvons partager une petite fierté, qui est de faire partie de cette commission qui s'appelle la Global Commission on Drug Policy,
qui est une commission qui a fait bouger le débat. Je crois que si le débat a bougé, attention, le débat va prendre du temps. Les réformes vont prendre du temps, comme toutes les réformes sociales. Et elles n'iront pas à la même vitesse d'un pays à l'autre. Et je pense même qu'il y a des pays où on est loin d'ouvrir le débat. Des pays qui sont toujours sur des positions idéologiques très fortes. Je les appellerais hypocritement moralisatrices. Des pays qui marginalisent les usagers de drogue. Des pays qui, en ce moment, hypocritement promeuvent la bonne santé physique et morale de l'individu. Et vous devinez un peu de quoi je parle, mais en particulier de la région dont je m'occupe maintenant et de la Russie, qui ne reconnaît pas, par exemple, l'utilité des politiques de réduction des risques, alors que d'autres pays bougent. La Chine, qui a radicalement changé ses politiques, le Vietnam, dont le Parlement a dépénalisé l'usage il y a un an et demi. Enfin, ce sont des pays pleins de contradictions, mais des pays qui bougent. Alors, pour terminer, quelques mots sur, finalement, qu'est-ce que cette commission dont nous faisons partie dans ce débat recommande et comment je vois l'évolution possible de la situation pour quelque part, ouvrir le débat. Alors, la commission, la Global Commission, a publié deux rapports. Le troisième rapport sera lancé ici à Genève le 30 mai prochain. Il portera sur l'hépatite. Mais en particulier dans son premier rapport, qui s'appelait The War on Drugs, et puis le mot The War était barré, ce rapport disait il faut briser le tabou, ouvrir le débat. On a beaucoup caricaturé la position de la Commission en disant « Oh, ces gens-là, ils veulent légaliser toutes les drogues ». Non. Ce que la Commission a dit, c'est « Ouvrons le débat, ouvrons une discussion qui ne sera pas forcément la même dans tous les pays du monde et des idées qui n'évolueront pas forcément à la même vitesse partout. Mais ouvrir un débat sur des politiques publiques qui véritablement devraient tendre à diminuer la consommation » et à prévenir et empêcher l'impact négatif majeur et des drogues et des politiques répressives qui vont avec. Donc nous avons dit qu'il faut décriminaliser la possession et l'usage. Et il y a maintenant beaucoup de littérature qui montre que dans les pays qui l'ont fait, la consommation n'a pas augmenté. Et nous avons dit qu'il faut encourager l'expérimentation de nouveaux modèles. Nous avons dit qu'il faut aussi revenir à de vrais indicateurs. On ne mesure pas le bénéfice d'une politique de santé publique sur le nombre de personnes arrêtées ou le nombre de kilos de hashish saisis. Et enfin, aussi changer quelque part la perception, les fausses perceptions dans le public. Le public qui croit que tous les usagers de drogue sont des pervertis irrécupérables, que les petits producteurs sont des gens qui font des profits énormes alors que ce sont des paysans dans la pauvreté, et qui en aucun cas ne saisit la complexité sociale, économique du marché de la drogue, et que ce marché se fait largement aux dépens de personnes extrêmement vulnérables dans la société. Alors, à partir de cela, et je finis là-dessus, qu'est-ce qu'on peut envisager? Qu'est-ce qu'on peut entrevoir d'ici 2016, d'ici ce grand débat des Nations Unies? Alors, d'abord, je pense, soyez pragmatique, moi je ne vois pas, et je crois que nous ne voyons pas, de possibilité de renégocier les conventions. Et puis d'ailleurs, comme Ruth Dreyfus l'a dit à plusieurs reprises, ces conventions, du fait de l'histoire qu'elle a racontée, n'ont pas forcément besoin d'être renégociées. Elles offrent suffisamment de flexibilité pour permettre des changements assez importants. Donc, pas de renégociation, pas non plus, si j'ose dire, de déconventionnement. Parce que peut-être vous souvenez-vous qu'en 1933, la prohibition s'est arrêtée aux États-Unis, c'est le fait que les États ont pu reprendre leur liberté pour prendre leurs décisions eux-mêmes qui a accéléré la sortie de la prohibition sur l'alcool. Ce que j'attends avant tout, moi, c'est que le débat des deux prochaines années pose des principes. Et le premier principe, c'est les questions des drogues. C'est une question de santé et une question sociale. Et donc, tous les objectifs des politiques publiques doivent être adaptés
à ce principe. Et dès lors qu'on adopte ce principe, on va dépénaliser l'usage et la possession, on va accroître l'offre de la réduction des risques, on va accroître l'offre de traitement, on va accroître la prévention, sans se faire trop d'illusions d'ailleurs hein, sur les effets de la prévention. Et à côté de tout ça, donc qui me paraît simple, sain, comme décision à prendre et comme réforme possible, et la Suisse nous offre de bons modèles, l'Europe offre de bons modèles, il faudra réfléchir aux façons de casser le marché illégal. Là, c'est plus difficile. Et je vous donne une opinion toute personnelle qui est que, pour moi, ça doit commencer par le cannabis. Ici, pour nous, en Europe, tout de même 80 millions de personnes, c'est-à-dire 25%, un quart de la population, a touché au cannabis une fois dans sa vie. Si on interroge sur le dernier mois, c'est 7 à 8% de la population européenne, c'est considérable. On a l'exemple de l'alcool, on a l'exemple du tabac. Pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas le cannabis dans des paquets sur lesquels il serait écrit « c'est dangereux pour votre santé, vous risquez telle et telle chose », des paquets qui ne seraient pas beaux, que sais-je, qu'on achèterait dans des pharmacies ou dans des endroits, mais un marché régulé de cannabis de bonne qualité qui casserait le marché illicite. Et j'ai même tendance à penser, et là, attention, c'est vraiment une opinion personnelle, que si on a un accès plus facile aux drogues moins dangereuses, on aura moins d'accès aux drogues les plus dangereuses, contrairement à ce que certaines personnes disent. Et enfin, j'aimerais dire qu'il y a, malgré tout ce que Ruth et moi avons dit, nous pensons tous les deux qu'il y a une place pour la répression, parce que la répression doit être sur le trafic. La répression doit être sur les gros poissons, pas sur les petits consommateurs ou les personnes qui sont à la sortie de la gare. Et quelque part, cette répression-là, pour moi, n'est pas incompatible avec la vision sanitaire ou sociale dont j'ai essayé de parler. Et pour finir, je voudrais revenir à ma diapositive du début, parce que finalement, c'est la façon dont la réalité de l'homme et de l'humain doit inspirer le gouvernement. Et la phrase qui suit celle-ci, un texte de 1829, dit que l'hygiène publique, c'est elle qui observe les variétés, les oppositions et les influences, qui en apprécie les effets, qui constate et éloigne toutes les causes contraires à la conservation et au bien-être de l'existence, qui avise à tous les moyens de salubrité publique, mais elle a devant elle encore un autre avenir, dans l'ordre moral. De l'investigation des habitudes, des professions, des nuances des positions sociales, elle déduit des réflexions et des conseils qui ne sont pas sans action sur la force des États. Les fautes et les crimes sont les maladies de la société qu'il faut travailler à guérir ou tout au moins à diminuer, réduction des risques. Et jamais les moyens de curation ne seront plus puissants que quand ils puiseront leur mode d'action dans les révélations de l'homme physique et intellectuel et que la philosophie et l'hygiène prêteront leur lumière à la science du gouvernement. C'est ce qu'on appelle « evidence-based policies » maintenant. Merci de votre attention. Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on discute encore peut-être 10 minutes entre nous trois sur le podium, et puis on ouvre la discussion au public qui a certainement des réactions face aux deux interventions. Dans un esprit un peu de dispute, parce que j'ai l'impression que nos deux membres de la commission sont d'accord sur la plupart des points, j'aimerais qu'on essaye de comprendre un petit peu quelle est l'autre position. Qu'est-ce que vont avancer les tenants de cette ligne répressive, de ce cadre un peu rigide? Comme argument, on a évoqué les arguments idéologiques. Souvent, derrière l'idéologie, c'est le business qui se cache, c'est les intérêts politiques beaucoup plus concrets. Est-ce que c'est ça que ces tenants de la ligne dure mettent en avant, ou qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Peut-être. Allez-y. Sans aucun doute, il y a des parties du monde où les gouvernements, le business et la corruption sont liés, ça il ne faut pas le nier. Mais je crois que
il y a avant tout un jugement moral et une position idéologique de principe qui est que consommer de la drogue, c'est un acte répréhensible, que c'est une liberté dont l'individu ne doit pas jouir parce qu'elle peut être, elle peut nuire à l'individu et nuire à son environnement, et que donc il faut l'interdire. Et je crois que c'est là l'erreur, c'est qu'il ne faut pas l'interdire, il faut la contrôler, la limiter et en limiter les dégâts. Donc, je ne crois pas que notre position ce soit, c'est une très bonne chose, consommons tous largement de l'héroïne. Encore une fois, il ne faut pas caricaturer les positions. Mais notre position, c'est qu'il faut contrôler et réguler. Et cette régulation devrait quelque part pouvoir capter un marché qui actuellement est un marché qui est un marché qui appartient au crime organisé, qui fait des bénéfices absolument considérables, qui corrompt les gouvernements et qui entretient des politiques répressives qui, elles-mêmes, entretiennent les dégâts que la drogue peut induire. Donc on est dans un cercle vicieux dont il faut qu'on se sorte. Oui, j'aimerais peut-être juste ajouter qu'effectivement, on a vu une montée en puissance du crime organisé en relation avec la drogue. Et que bien sûr, cette montée en puissance sert aussi d'argument à la guerre contre la drogue. Lorsque Nixon en parle, d'un côté, il court derrière l'illusion d'une société sans drogue en disant une bonne société est une société où personne ne se drogue. Et c'est ça notre objectif. Et c'est là que commence la guerre contre les drogués. Si je peux utiliser cette expression. Mais d'un autre côté, il y a aussi le sentiment qu'il faut détruire les organisations criminelles. Et là, il y a eu, avec en particulier l'expression « war on drugs », il y a eu un glissement des opérations dites, je dirais, de police, hein, où on essaye d'infiltrer des organisations, on essaye en particulier de lutter contre le blanchiment de l'argent, où on a une attitude de police face à des organisations criminelles, à une militarisation de la lutte contre ces organisations. Et c'est là, je dirais, il y a eu deux évolutions vraiment dramatiques au cours des 30 dernières années. L'une, c'est sur le plan de la santé publique, et Michel l'a bien expliqué, et l'autre, c'est sur le plan de cette militarisation qui a conduit à des situations de quasi-guerre civile, et il y a des confrontations tellement directes entre le crime organisé et des États faibles, des États faillis même, si on pense à la Somalie ou d'autres, que nous sommes entrés dans une situation où cette bataille risque d'être perdue. Elle est perdue dans certains pays. Et l'argument donc est qu'il faut combattre le crime organisé, mais malheureusement, je dirais que les moyens de le combattre ont conduit à leur renforcement et non pas leur affaiblissement. Toujours dans l'esprit de faire un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est un hasard que dans la discussion, l'argument inventé par M. Kazatchkine et dans le rapport, on parle souvent de l'exemple du cannabis, qui est une drogue dont on peut peut-être accepter les conséquences en société, on peut vivre relativement facilement avec, l'Europe le montre, et que le débat va devenir plus corsé, entre guillemets, sur les drogues dites dures. Et c'est là que les lignes vont peut-être se reformer, on va voir ça, et c'est là que ça va être vraiment le grand défi. On peut imaginer que sur le cannabis, on s'entende, puis après, what next? Bon, c'est déjà une grande, grande étape à franchir. Moi, je pense à mon propre pays. Je vous avoue que quand j'écoute le ministre de l'Intérieur, je ne vois pas encore le débat arriver à maturité. Donc, les Français sont plus rapides après, par contre. Mais je crois que non, c'est déjà une étape très importante parce que la discussion autour du cannabis, qui est très ouverte aux États-Unis en ce moment, hein, c'est, avec les derniers votes, je crois que cette discussion, quand elle s'ouvrira, vous savez, l'Europe est presque plus conservatrice en ce moment dans le débat sur le cannabis que ne le sont plusieurs États américains. Mais ça va faire bouger l'Uruguay. Vous l'avez entendu, il y a quelques mois, le Parlement a voté
un système national de production, de marché et de régulation. Donc ça sera comme la CETA pour le tabac en France il y a quelques années, pour le cannabis en Uruguay à partir de l'année prochaine. Donc l'Amérique latine bouge, les États-Unis d'Amérique bougent dans le débat, l'Europe se débat dans ses vieux démons. Peut-être un pays d'Asie va-t-il bouger, mais ça va largement faire bouger les lignes du débat général sur les liens entre consommation de produits illicites, raisons pour lesquelles on déclare qu'un produit est illicite et façon dont un État doit gérer cette situation sans se faire d'illusions sur le fait que l'éradication ne sera jamais possible, et donc en choisissant le mode de gestion le plus intelligent et celui qui apporte le moins d'impact négatif. Pour moi, ce sera une étape très importante. Ensuite, j'ai ajouté une note tout à fait personnelle, encore une fois, qui est qu'à mon avis, si l'accès pour la population est facile quelque part pour le cannabis, peut-être ça n'encouragera moins les gens à aller vers des drogues plus dures. Il y a des gens qui pensent le contraire. Mais comme vous le savez, il y a des gens qui disent, ou des parents qui disent, mon enfant a commencé le cannabis, ça va être la première marche de l'échelle. C'est absolument faux. Il n'y a rien de prouvé dans la littérature sur ce sujet. Mais effectivement, le débat suivant va être beaucoup plus difficile. Et je dois dire que nous-mêmes, Dreyfus, moi-même, les membres de la commission, nous n'avons pas encore réfléchi suffisamment à ce que pourraient être les modèles alternatifs qui pourraient casser le marché des opiacés, le marché de la cocaïne et le marché des drogues synthétiques. Donc, quelque part, on est dans une course de vitesse. Et pour moi, le cannabis, c'est plutôt établir un nouveau modèle et montrer qu'on peut expérimenter dans un nouveau modèle. Madame Dreyfus, vous faites le même pari, entre guillemets, on change le principe, on essaie de l'appliquer à la question du cannabis en espérant une espèce de dynamique qui se met en place. Alors d'abord, l'expression pari ne me paraît pas tout à fait la bonne expression parce que dans le pari, on accepte le risque et puis on joue tout. Hein. Moi, je préfère parler d'expérimentation. Ce que nous avons eu l'occasion de faire en Suisse, que d'autres pays ont fait en Europe, par exemple avec la prescription d'héroïne, c'est vraiment d'y aller prudemment et de voir si telle ou telle mesure amène plus de bien que de mal, partant de l'idée qu'aucune mesure politique n'apporte que du bien. De toute façon, il y a toujours des effets secondaires, comme pour les médicaments les plus efficaces. On vous croit sur parole, si c'est vous qui le dites. Et donc, je dirais qu'il faut expérimenter des choses et voir ce que ça donne. Alors, effectivement, le cannabis permettrait sans doute très facilement de faire des premiers pas dans le sens d'une régulation du marché. D'abord parce que c'est bien sûr le plus répandu. D'un autre côté, parce que moi, j'ai quand même un certain espoir. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les années 90, on avait l'intention, et le Conseil des États d'ailleurs l'avait accepté, mais le National a renaclé devant l'obstacle, pour des raisons d'ailleurs qui me paraissaient très intéressantes, parce que au Parlement, au début, ils ont beaucoup hésité à entrer en matière au Conseil des États, et dans une discussion de commission dont je m'en rappellerai toujours, j'ai eu l'occasion de leur dire, écoutez, vous avez été extrêmement courageux dans la prescription d'héroïne. Vous avez été extrêmement courageux en acceptant les mesures de réduction des risques parce qu'il y avait un problème de vie ou de mort. Maintenant, vous êtes très inquiet parce que ce n'est plus un problème de vie ou de mort. C'est un problème de pédagogie, c'est un problème de discussion entre les générations. C'est comment est-ce que je vais dire à mon enfant que ce n'est pas bon alors qu'il pourrait peut-être l'acheter dans un magasin spécialisé à deux pas de chez nous. Et ça demande presque plus de courage de se lancer là-dedans que lorsqu'on est confronté, encore une fois, aux overdoses, aux contaminations de sida et qu'on voit crever ses enfants, parce que c'est ce qu'on a vu en Suisse dans les années 80 et 90. Mais
on peut y aller. Je dirais qu'il y a un besoin d'expérimentation, je crois, aussi dans la population. Hein. Lorsque le Parlement a finalement refusé ce que nous leur proposions, c'était « nous ne savons pas vers quoi nous allons ». Si on peut leur montrer vers quoi on va, je dirais qu'on ouvre là aussi le débat sur les effets d'une régule d'un marché régulé, bien que nous ayons, comme le disait Michel, l'expérience du tabac, l'expérience de l'alcool dans une certaine mesure, mais nous ne l'avons pas dans le cannabis en particulier. Mais pour moi, quand je pense aux années 90 et quand je pense à la situation actuelle, j'ai d'un côté un regret qu'on n'ait pas réussi dans les années 90 et d'un autre côté une inquiétude. Le fait d'avoir de nouveau passé à une politique répressive, parce qu'elle l'a été, on a fermé des magasins qu'on tolérait avant, on a fermé, on a arrêté les paysans qui produisaient du chanvre à haute teneur de THC pour utilisation de consommation de cannabis. On avait encore un certain contrôle sur la qualité et sur le taux de THC. Aujourd'hui, où on continue à produire énormément en Suisse, on produit plus dans des champs, on produit dans des caves. On ne produit plus des plantes plus ou moins normales, on produit des OGM, on produit des plantes avec des engrais qui les poussent sous des spots en permanence et le taux de THC a explosé. Il est vrai qu'aujourd'hui, le chanvre que l'on utilise, que l'on trouve en Suisse, est plus dangereux qu'il ne l'était dans les années 90. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est parce que je crois que nous sommes dans une course qui est perdue d'avance. Dès qu'on interdit une substance, elle file dans la clandestinité et elle devient pire que ce que l'on avait lorsqu'elle n'était pas interdite. Et ça, on le voit très clairement dans les drogues de synthèse aujourd'hui, où je dirais que chaque nouvelle drogue de synthèse, à partir du moment où l'une d'entre elles est interdite, la suivante est déjà sur le marché et la suivante est plus dangereuse que celle qu'on vient d'interdire. Et donc, je crois que la régulation du marché, elle doit se faire progressivement, elle doit se faire prudemment, elle doit se faire sur la base d'expériences suivies, avec une bonne information du public, etc. On doit être prêt à retourner en arrière si on voit que les effets sont négatifs. Mais je crois vraiment avoir maintenant, en 20 ans d'expérience ou davantage, vu que l'interdiction permet non seulement une montée du crime organisé, mais une montée de la dangerosité des substances qui sont sur le marché. Une question. Bien sûr, Jean, le taux de THC serait indiqué sur les paquets qui sont vendus. Bien entendu. Comme l'alcool sur une bouteille de vin ou de. Vous avez évoqué les séances du Parlement suisse. Est-ce qu'on retrouve les lignes de fracture idéologique politique qu'on avait en Suisse sur ces questions au niveau international? Est-ce qu'il y a des équivalents? Est-ce qu'on vous avez l'impression de retrouver des anciens partenaires de discussion, s'il faut le dire comme ça? Écoutez, la politique qu'on a mise en place dans les années 90 a été le résultat d'une collaboration entre différents partis. Nous avons eu un groupe de travail où les quatre partis gouvernementaux ont fait des propositions. Alors, l'UDC ensuite a quitté le bateau et puis au moment de la discussion de la loi au Parlement, le PDC a également pris un petit bateau de sauvetage et s'est éloigné du navire, mais les propositions venaient d'un côté de ces groupes interpartis, mais d'un autre côté, alors c'est je dirais essentiel dans ce qu'on fait, venaient de la base, venaient des travailleurs du terrain, venaient de ceux de toutes les divisions, de tous les secteurs, que ce soit la répression, que ce soit le social, que ce soit la santé, ce sont eux qui nous essayaient telle et telle mesure. Et notre tâche de politicien était uniquement de dire « Ok, on y va, mais à telle et telle condition et avec tel et tel monitoring scientifique et dans 3 ans, on fera un bilan, etc. » Je crois que c'est vraiment cette approche-là qui a permis, encore une fois, de changer de politique. Alors, sur le plan international, oui, je pense que c'est un peu la même chose. Il y a aussi des petites barques de sauvetage. Il y a des barques de sauvetage qui quittent le bateau et puis il y a des gens qui se disent que leur travail est tout simplement désespérant si rien ne change.
On parlait du Tadjikistan tout à l'heure. J'y étais il y a 2 ans pour militer pour l'abolition de la peine de mort. J'y retourne d'ailleurs pour la même cause. Mais j'y ai rencontré un représentant de la UNODC, donc de l'Organisation des Nations Unies, qui est responsable de la coopération technique. Il essayait d'aider les Tadjiks à surveiller, je crois, 1200 kilomètres de frontière avec l'Afghanistan dans une région désertique. Inutile de dire que lorsqu'il arrivait à dire qu'il avait saisi une camionnette avec de l'opium à bord ou d'un produit déjà plus élaboré, inutile de dire qu'il savait lui-même que c'était un pourcentage ou un pour mille absolument insignifiant de ce qui passe à travers cette frontière. Alors je dirais que chez nous aussi, hein, c'est le désespoir face à l'épidémie du sida, c'est le désespoir des flics qui se disaient que leur tâche était comme de remplir le tonneau des Danaïdes, etc., qui a permis aussi le rapprochement et la collaboration, du moins la compréhension qu'il faut de la répression, mais qu'il faut aussi une priorité ferme à la santé publique pour que cela soit moins désespérant, si l'on peut dire. Parfait, je propose d'ouvrir les questions à la salle. Je vous prie juste de dire peut-être votre nom, de poser une question brève. J'invite aussi orateurs à être brefs, bien entendu. Monsieur. Jean Frémont. J'aimerais ajouter une dimension à ce qui vient d'être dit. L'appareil législatif international en matière de drogue a un effet pervers, c'est qu'il rend très difficile l'accès par des patients qui ont besoin d'analgésiques très forts à un certain nombre de substances. Et à l'échelle du monde, par exemple la morphine, à l'échelle du monde, on parle de pour le moins 3 millions de cas de personnes, non seulement des cancers, beaucoup de cancers, mais aussi les grands brûlés et aussi toutes les calculs rénaux. Et alors, les conventions et les protocoles, certes, prévoient l'exception médicale, mais en pratique, ça n'a pas une grande importance. Vous avez dit que c'est une affaire de santé publique. Et un des problèmes qui se pose, et je pense que dans la politique de la drogue en général, c'est l'interface entre l'OMS et Vienne. Comment voyez-vous cette interface évoluer ? J'ajoute une chose, c'est que la personne qui s'occupait de l'accès à ces médicaments contrôlés a dû quitter l'OMS à fin octobre parce qu'il n'y avait plus de financement pour le poste qu'il avait. Tu y vas, Michel ? Oui, bon, d'abord, je ne peux que partager votre observation et votre jugement. Il y a un énorme problème, quelque part paradoxalement, n'est-ce pas ? De l'accès aux opiacés dans le monde pour les personnes qui souffrent et qui en ont besoin. Je reviens vers l'Europe de l'Est et l'Asie centrale et de nombreux pays d'Asie, la crainte de ce que ces médicaments soient détournés pour des usages de consommation illicite fait qu'on interdit même des formes accessibles. Il n'y a pratiquement que des formes injectables. L'Ukraine va, c'est une grande victoire maintenant, va adopter des opiacés par voie orale. Mais c'était un combat de 5 ans. Donc je partage votre jugement. Je connais la personne qui a quitté l'OMS. Les rapports entre l'OMS et Vienne, là, c'est difficile. Moi, j'aimerais être assez optimiste. Je crois que dans l'année 2013, nous avons tous perçu une inflexion à l'UNODC. Qui est beaucoup plus ouverte sur les questions de santé qu'elle ne l'était peut-être encore même l'année dernière. Le discours du directeur exécutif à Vienne en mars dernier et un certain nombre d'éléments m'y font penser. Mais le système des Nations Unies n'est pas à l'unisson sur ces questions. Je suis Eyan Tiama, je suis conseiller municipal au Grand Saconé. J'avais deux ou trois petites questions, pas très longues. S'il vous plaît, une. Alors. Non, monsieur, je vous encourage, une question. Comme ça, après, on a du temps aussi pour les autres. Merci.
mais je peux le lire seulement. Je ne vais pas faire un commentaire. Je ne vais pas faire un commentaire. Première question, qui sont les gros poissons? Deuxième question, combien d'argent circule dans le monde dans le commerce illégal de la drogue? Troisième question, est-ce que l'argent de la drogue crée des emplois? Voilà, vous voyez, j'étais très bien. Parfait, vous avez été exemplaire, là, je m'excuse. Alors, qui sont les gros poissons? Dans ce cas, j'entends l'expression vise bien sûr les responsables des grands cartels globalisés. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est un marché qui est complexe. Je veux dire, il y a effectivement des cartels extrêmement violents, d'ailleurs, enfin, encore une fois, ceux qui se battent sur les voies de transit de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. Mais il y a aussi toute une série de relativement petits cartels qui se débrouillent pour avoir une niche, si on peut dire, de marché. On sait, par exemple, que les Nigériens qui dominent actuellement le marché de la drogue ont trouvé des arrangements. C'est pas très violent, contrairement à ce qui se passe actuellement au Mexique. Mais voilà, il y a toutes sortes de poissons. Alors, un des derniers poissons arrêtés, c'était d'ailleurs l'amiral de Guinée-Bissau, qui est devenu, hélas, un État, un narco-state, comme on dit, et qui semble vraiment très, très dominé par des cartels qui ont contaminé l'État central. Deuxième question, le montant exact. Je ne me rappelle pas, j'ai une mauvaise mémoire des chiffres, mais je peux dire tout simplement une chose. Il y a trois domaines économiques qui sont les top 3. C'est le pétrole, les armes et la drogue. Alors, le pétrole, c'est plus ou moins légal. Enfin, c'est légal. Les armes, il y a des deux. Il y a du légal et il y a de l'illégal. Et les drogues, c'est de l'illégal. Et les trois se bagarrent pour savoir quel est le secteur le plus important en termes de chiffre d'affaires et je crois que le plus lucratif est la drogue. Donc c'est le bénéfice le plus important. Et la troisième, est-ce que ça crée de l'emploi? Oui, je crois qu'on peut le dire. Ça crée de l'emploi tout au long de la chaîne. Il y a une agriculture qui vit de la production de drogue, mais qui est très mal payée, bien sûr. J'entends, il y a énormément de sous-prolétaires dans ce secteur et qui non seulement sont des sous-prolétaires, mais souvent aussi des esclaves dans la mesure où ils sont aussi en même temps dépendants de la drogue et donc de ceux qui la leur fournissent. En plus de la violence que nous devons constater, qui les tient dans la mesure même où ils agissent dans l'ombre et où ils sont criminels. Mais je veux dire, les derniers emplois, c'est au paquet que tu peux les voir. Monsieur au coin des rues, je veux dire. Hein, Monsieur Devant. Merci. Jean-Félix Savary du GREA, donc des professionnels suisses. Moi, j'avais une question sur la stratégie en fait poursuivie. Donc, en fait, on entend que les conventions offrent des marges de manœuvre pour la réduction des risques, ce qui est vrai. Et ça, on les a expérimentés en Suisse, c'est tout à fait vrai. Mais que pour le commerce, c'est régler les externalités du marché. Là, c'est plus compliqué et il faut plus de temps. Et donc, alors moi, je peux que vous rejoindre sur ce constat. Par contre, un des avantages de la politique drogue, c'est qu'on peut regarder justement juste à côté, au paquet, on peut regarder au niveau international, enfin, tout ça est lié. Et si on regarde ce qui se passe en Suisse aujourd'hui, c'est quand même inquiétant. Donc la Suisse a cette politique des quatre piliers. On a été novateur, on a été critiqué, puis acclamé. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le bus qui échange les seringues à Genève vient d'arrêter pour des financements. Donc on ne distribue plus de seringues dans la rue le soir. Pire, Lausanne, depuis un mois, a suspendu son bus. Et à Lausanne, il n'y a pas de local d'injection. À Lausanne, ce bus distribuait notamment des seringues aux 18-24 ans, qui sont en fait pas dans les structures de réduction des risques. Maintenant, il n'y a plus personne pour leur donner des seringues. Pourquoi? Parce que effectivement, les gens, les habitants, ils en ont marre de voir des dealers. Ils en ont marre de ça. C'est même pas la criminalité mexicaine. C'est juste, voilà, il y a des gens, ils sont noirs, ils sont devant ma porte, ils vendent de la drogue, ça m'embête. Et on ne veut pas continuer avec cette politique. Et j'étais très sensible au discours de Rode tout à l'heure par rapport à la vie à la mort ou alors la nuisance. La vie à la mort, on peut,
Mais quand c'est une nuisance, alors là, on n'a plus besoin de réfléchir. On peut se lâcher un peu. En plus, ils sont noirs. En plus, ils viennent d'un autre pays. En plus, il y a le débat sur l'asile en Suisse. Et on se pose la question, nous, est-ce qu'il est possible de continuer cette voie du milieu, cette voie de la réduction des risques, sans une solution sur le marché? Et en fait, l'analyse qu'on a faite, c'est que ce n'est pas possible. Parce qu'on vit aujourd'hui un retour de balancier, un coup de bâton qui s'abat sur les mesures de réduction des risques. Et on n'est pas les seuls touchés en Suisse romande. Les Suisses allemands commencent aussi à le sentir. Est-ce qu'on va pouvoir survivre avec cette politique de réduction des risques qui a sauvé des vies, qui continue de sauver des vies? Et du coup, on n'est plus dans ce débat à la vie, à la mort. Et donc, on peut retourner sur des vieux schémas. La drogue, c'est mal. Le dealer crée le drogué. Et puis, on a cette politique qui rend, en fait, plus possible le travail de réduction des risques. Le bus à Lausanne s'est arrêté sur l'initiative de la structure qui a ce bus, parce qu'il ne pouvait plus travailler. La police venait arrêter les toxicomanes au bus qui venait chercher les seringues. Donc, j'interroge la stratégie qui a été proposée. Bon, encore une fois, sur le plan suisse, je partage l'analyse qu'on risque un retour en arrière à cause des nuisances ressenties par la population et de la rupture du consensus qui s'était fait autour de la politique des quatre piliers. Je dirais quand même qu'il y a aujourd'hui des voix en politique qui s'élèvent contre ce qui leur paraît être une politique qui favorise, si l'on veut, ou qui reconnaît aux drogués des droits que ces gens aimeraient plutôt leur refuser. Encore une fois, je pense que il faut continuer à insister sur les questions de santé publique, et je crains, comme toi, un backlash, et donc, hélas, je crains aussi des chiffres qui risquent de nous servir d'argument dans un ou deux ans, lorsqu'on verra de nouveau une augmentation de contamination. Et je pense que cette discussion doit se déplacer justement aujourd'hui sur la régulation du marché. Il faut dire aux gens que si on ne veut pas des dealers, alors il faut des magasins. Si on ne veut pas des gens qui sont dans la rue, alors il faut qu'il y ait quelque part une enseigne. Pourquoi pas comme les magasins d'alcool en Suède, où on n'a pas forcément envie d'entrer, qui n'est pas très attirante, etc., mais on sait que si on a besoin de quelque chose, on peut le trouver. Ou alors d'autres modèles, comme les coopératives que l'Espagne a mises en place, les Cannabis Social Club, qui permettent à un groupe de consommateurs de drogue, en toute légalité, de produire pour leur consommation, sous le contrôle du groupe et dans des règles tout à fait bien établies. Donc je pense que c'est quand même... On ne va pas abandonner la question de la régulation parce qu'il y a des nuisances. C'est le contraire qui est vrai. Si on veut chasser une partie du deal, en tout cas, je pense qu'il faut passer à un marché régulé. Et le cannabis reste quand même une partie très importante du deal de rue. Juste un mot pour dire qu'il ne faut quand même pas tout, enfin, ne faire qu'attaquer, si j'ose dire, la Suisse là, dans ce débat. Hein. Je crois que c'est l'Europe dans son ensemble qui est... quelque part atone en ce moment dans ce débat et qui est dans cette voie du milieu. Et je crois qu'on peut le regretter parce que l'Europe a été pionnière pour faire entrer ce système de valeurs nouvelles dans la façon dont on... Et ce regard nouveau sur l'usager de drogue et l'usage de drogue. Et maintenant, ce que nous voyons au plan international, c'est que ce sont des pays où c'est la vie et la mort, ou aux États-Unis, des pays où c'est l'argent comptant, n'est-ce pas, qui fait prendre les décisions, qui sont des pays qui bougent. Et l'Europe a l'air d'être en arrêt dans ce débat. Et c'est jamais bon d'être en arrêt. Donc je voulais juste étendre quelque part aux pays voisins et au continent européen. Dans sa dernière stratégie, la Commission européenne vient de publier une stratégie pour 5 ans, European Drug Strategy. C'est un document dans lequel il n'y a rien de faux, il n'y a rien de mauvais, mais il n'y a rien en termes d'évolution, rien en termes de changement, rien en termes de perspective. On va rassembler les questions parce que l'heure tourne. Donc j'avais en tous les cas madame. Elle est juste là, pardon.
J'ai madame derrière. Donc je vous encourage à poser votre question et puis après le... Ouais, exactement, le podium y répondra. Merci. Bonjour, Nicolas Krichka. D'abord, je m'excuse pour le français si jamais je ne m'exprime pas bien. Mais en fait, ma question, c'était pour le dialogue qui est ouvert en Amérique du Sud. Est-ce que, parce que si un pays comme Guatemala, un transit country, si eux, ils décriminalisent, est-ce que ça va faire un grand changement? Parce qu'en fait, si toute la région ne travaille pas ensemble dans le même but, surtout les États-Unis, comment est-ce qu'on peut motiver la région pour travailler dans la même direction? Parce que pas tout le monde est on board, si on dit comme ça. Bonjour, Caroline Hotz, je représente le label Starway qui a pour mission vocation d'augmenter la qualité, valider la qualité. Et puis, je me posais la question, on a ce pilote à Amsterdam et puis on n'a jamais vu plus de résultats publiés, est-ce que vous les avez ? Bonjour, Lucas Aporta. J'aurais une question concernant le manuel en fait, de DSM-5 qui a été mis à jour récemment, le manuel de référence en psychiatrie. Et un chapitre concerne les addictions en substances, concernant les addictions aux substances et les addictions notamment comportementales. Mais sur la question des addictions aux substances, est-ce que les modifications dans ce domaine-là vont influencer les politiques publiques de quelle façon? Quelles sont ces modifications? Est-ce que ça va avoir une quelconque influence sur les politiques publiques? Et on prend encore une question de madame, et ensuite, ça sera la parole à mes deux invités qui sont en train de réfléchir intensément. Oui. Je vois ça. Barbara Breuer, je suis médecin aux HUG. J'ai une question autour du cannabis médical. Nous sommes confrontés souvent à des patients qui utilisent du cannabis vraiment pour des raisons médicales qui sont bien documentées dans la littérature scientifique. Nous les aidons, nous essayons de donner au moins un accès à du cannabis médical, ce qui est déjà difficile en Suisse. Ma question à vous, c'est la suivante. De temps en temps, je crains un tout petit peu que si nous luttons trop pour l'accès du cannabis médical, qu'on se coince un tout petit peu dans l'ouverture que vous prenez actuellement et que je défends aussi. Et c'est une sorte de clivage. Et on peut dire peut-être aux États-Unis, l'accès large à du cannabis médical a quand même permis une évolution très rapide par rapport à nous. Mais moi, personnellement, de temps en temps, je me sens en contradiction dans ce que je fais et ce que je pense qu'on doit arriver à ce que vous proposez, une dépénalisation, une légalisation totale du marché du cannabis. Merci, je veux bien commencer. Tout d'abord, un commentaire sur... et puis, Russe, s'il te plaît, ajoute... sur l'Amérique centrale, moi, je crois que l'Amérique centrale... travaillent assez ensemble, parce qu'il y a le Guatemala, il y a la Colombie, il y a l'Uruguay, il y a maintenant le Mexique, et je parle bien de quatre pays là où ce sont des chefs d'État en exercice qui se sont exprimés pour dire qu'il fallait changer les choses. Et les échos que nous avons eus du sommet de Carthagène 2012, c'était tout de même que la confrontation a été forte entre les chefs d'État latino et centro-américain et le président Obama. Ils lui ont dit, il y a deux choses qu'on veut sur la table. Premièrement, plus de sommet américain sans Cuba. Et deuxièmement, il faut qu'on travaille à la réforme des politiques de drogue. Et vous avez vu la citation du président Santos que j'ai tirée de ce sommet de Carthagène et de la mission que le sommet de Carthagène a donnée à l'Organisation panaméricaine de la santé de rédiger un rapport qui est sous presse maintenant et qui va présenter des scénarios possibles d'évolution pour la région. Donc je ne suis pas sûr de partager votre analyse là-dessus. Deux mots sur les nouvelles listes. Moi, ce qui me paraît aussi intéressant dans ces nouvelles listes, c'est qu'on y a ajouté des addictions comportementales non matérielles, comme le jeu, etc. D'une certaine façon, je crains ces listes
parce qu'elles vont aussi avec une tendance à la biologisation de l'addiction. Bientôt, on va vous dire qu'il y a un gène, qu'il y a un neurone, tout ça, c'est possible. Mais ce sera une façon d'éviter le débat social que nous prenons. Oui, ces listes, tôt ou tard, ont une influence et, à mon avis, des influences restrictives, parce que je fais le lien avec la question suivante. Je comprends parfaitement votre paradoxe. Plus on va dire que le cannabis médical, c'est précieux, plus on va vouloir l'opposer à un cannabis social, en quelque sorte. Donc, je comprends. Il reste que je pense qu'aux États-Unis d'Amérique, en tout cas, l'accès au cannabis médicalisé a beaucoup, beaucoup changé la façon des Américains de voir le cannabis. Et j'ai en tête, dans le draft de ce fameux rapport pour les sommets américains, Tu as vu ce rapport, Ruth, il y a deux courbes. La courbe des personnes qui sont défavorables et des personnes qui sont favorables à la légalisation du cannabis aux États-Unis. Et c'est parti de 80% et c'est maintenant à 50-50 véritablement. Donc le débat en 10 ans a considérablement évolué. Mais je comprends parfaitement ce paradoxe intrinsèque que vous mettez en avant. Au chapitre des addictions, mais votre question me permet de bien distinguer différents types de consommation, je crois, de substances. Il y a vraiment la dépendance, et je crois que nous sommes tous d'accord pour considérer que la dépendance est une maladie. Et puis, il y a la consommation contrôlée. On sait que la cocaïne, en particulier, est consommée quand même de façon assez systématique dans certaines professions soumises à des stress très, très violents. Alors, les traders, je veux bien, mais on m'a dit que les chirurgiens aussi, en partie. Donc, il y a une consommation contrôlée, hein, qui est quasiment comme une médication par rapport à une situation individuelle. Et puis, il y a le récréatif pur, hein, le plaisir qu'on prend, comme on le prend avec une bonne bouteille de vin ou je ne sais quelle autre substance qui fait du bien. Donc, je partage tout à fait l'idée qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'aspect addiction. Il faut reconnaître le fait que l'humanité cherche aussi des satisfactions que peuvent lui procurer des substances ou des comportements. Et donc, je partage tout à fait l'avis que quand on parle de régulation du marché, il ne faudrait pas uniquement se concentrer sur une population qui en a besoin pour des raisons médicales. La question du cannabis médical, je dirais que pour moi, et je le regrette parce que nous en avons discuté dans les années 90 et que je porte une certaine responsabilité, c'est qu'on a décidé sous des conditions très strictes de permettre l'utilisation du cannabis médical, donc qui est fourni par l'industrie pharmaceutique, et qu'on n'autorise pas la consommation du cannabis naturel, si vous voulez, non transformé. Je pense que c'est ça le prochain pas qu'il faudrait arriver à faire, c'est-à-dire finalement, il y a des personnes qui arrivent à équilibrer leur douleur, leur nausée, etc., tout simplement en fumant un joint. Pourquoi les obliger à acheter quelque chose dans une pharmacie alors que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est d'aller sur le marché noir pour pouvoir avoir leur joint ou pour en cultivant eux-mêmes la plante en question. Voilà, pour les Amériques, je crois que l'essentiel a été dit. Votre question, alors, sur Amsterdam, j'ai pas compris, on en parle peut-être après parce que je crois que nos animateurs aimeraient terminer bientôt. Très bien. Ben, mesdames, messieurs, merci au nom du Graduate Institute, au nom de Forhaus, merci d'être venu à cette rencontre ce soir. J'espère que vous avez passé un moment intéressant et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. On remercie encore une fois nos deux orateurs. Merci. Merci.